Mes amis, on se retrouve du coup pour un petit quiz que nous réalisons actuellement en live. J'ai voulu également du coup le faire en format YouTube. Donc je vous invite durant ce quiz à prendre un papier, un crayon du coup, et à noter vos réponses correctes. Voilà, il y aura donc 20 questions au total. N'hésitez pas donc à la fin de la vidéo à mettre donc à partager votre score dans les commentaires. Ça pourrait être cool. N'hésitez pas également donc, si jamais vous n'avez pas le temps de répondre à la question, si vous voulez réfléchir un petit peu, à mettre la vidéo en pause avant qu'on révèle la réponse. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon quiz. La perque Roublardise appartient à quel survivant? Jonah Vasquez, Ace Vinconti, personne, c'est une perque commune, Nea Carlson. À qui appartient la perque Roublardise? Il vous reste 3, 2, 1. Perque Roublardise qui va s'afficher à l'écran, petit indice. Et la réponse est Nea. La perque Roublardise appartient à Nea Carlson, les amis. Question suivante. Avec combien de pièges à ours, le trappeur, piégeur, démarre-t-il sa partie? Oradon, bien sûr. 12, 8, 6 ou 10 pièges à ours? Attention. Ça peut être une question piège, hein? Ou pas? Mais bon, je vous rappelle qu'il y a eu des petits changements avec le trappeur lors d'un patch à un moment donné, hein? La bonne réponse est la réponse 8. Au total, il y a donc 6 pièges sur la map, et ça, ça a été fixé au dernier patch. Enfin, pas au dernier patch, mais il y a eu un patch, du coup, ça a été fixé. Donc, le trappeur démarre toujours, il y a toujours 6 pièges, donc, sur la map, et il démarre avec 2 pièges. Il y en a un dans son sac et un dans sa main, voilà. Donc, 8 trappes au total. Allez, on part tout de suite sur la troisième question. Let's go! Je suis une addon de Michael Myers, lui offrant la possibilité de mourir un survivant quand il est en mal intérieur de niveau 3. Question piège. Je suis l'addon Lapin Mort, Mémorial de Judith Myers, Pierre Tombale de Judith Myers, Pierre Tombale de Judith. Question piège. Avec la petite musique de DBD dans le fond là, on se croirait un petit peu à qui veut gagner des millions. Alors la réponse est... la pierre tombale de Judith. Oui, 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 il y avait un piège effectivement. Pierre tombale de J. Myers, non. Non, c'est ouais, de Judith, ouais. Ouais, c'est la question piège. Désolé. La pierre tombale. On part tout de suite pour la question numéro 4. La perque Vocation de l'infirmière, qui se trouve juste ici, de niveau 3, vous permet de voir l'aura des survivants qui se soignent dans un rayon de 28 mètres, 26 mètres, 24 mètres ou 30 mètres. Je suis à sec. Alors, il y a des questions qui sont un peu plus faciles que d'autres. Il y en a... voilà, dans l'ensemble, j'ai essayé de faire un quiz quand même. Dans l'ensemble, avec des questions plutôt simples. Malgré le fait que j'ai eu envie de mettre quand même quelques petits pièges à droite et à gauche. Hein. Alors, la réponse... 28 mètres. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des boulettes. Hein. Ouais, c'est bien précisé. Hein. La perque Vocation de l'infirmière de niveau 3. De niveau 1, du coup, la perque Vocation d'infirmière, c'est 24 mètres. De niveau 2, c'est 26 mètres. De niveau 3, c'est 28 mètres. Allez, on passe à la question suivante. Quel tueur accompagne Zarina dans son DLC? Le fléau? Le lance-mort? Les jumeaux? Ou Looney? C'est la question numéro 5. Le fléau? Le lance-mort? Les jumeaux? Ou Looney? Et la réponse est... le lance-mort! Je vois qu'il y a beaucoup... oui, 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 il y a 31 personnes qui ont répondu le fléau. 43 les twins. 31 pour Looney. 78 pour le lance-mort. On part tout de suite sur la prochaine question. Laquelle de ces perks n'a aucun lien avec l'obsession? Poursuite furtive. Lumière mourante. Souviens-toi de moi. Dispositif de l'homme mort. Alors du coup, l'avez trouvé? Question numéro 6.
Laquelle de ces perks n'a aucun lien avec l'obsession, poursuite furtive, lumière mourante, souviens-toi de moi, dispositif de l'homme mort? La réponse est... dispositif de l'homme mort, qui a été rework, du coup, au dernier mid-chapter, oui, et n'a plus aucun lien avec l'obsession. D'ailleurs, petite pause rapide pendant ce quiz, je vais vous donner la date, étant donné donc que cette vidéo ira probablement sur YouTube, je vais vous donner la date et le patch actuel, le patch donc actuellement de Dead by Daylight, c'est le 5.5.0 si je dis pas de bêtises, le mid-chapter est sorti il y a pas longtemps, et il va bientôt y avoir du coup le nouveau tueur de The Ring qui va sortir, hein, dans quelques semaines normalement. Nous sommes le 5 février 2022, voilà, et il est actuellement 16h34. Bon, c'est une info pas très importante, mais tant qu'à y être, on doit faire les choses jusqu'au bout. Allons-y, pour la prochaine question. Question numéro 7. Yui et Loni sont originaires de quel DLC? Curtain's Call? Alors pardon pour mon anglais, hein, c'est... Curse Legacy? A Baking of Kin? Shattered Bloodline? Pardon pour mon anglais, ouais bon. Alors, la bonne réponse était donc... Curse Legacy. Curse Legacy, les amis. C'était la bonne réponse. 87 personnes ont répondu correctement. On part tout de suite sur la question... numéro 8. Hors perk, une fois utilisée, la seringue vous rend un segment de santé au bout de 12 18, 14 ou 16 secondes. N'oubliez pas le hors perk, hein, c'est important. Parfois, les perks peuvent changer beaucoup de choses. La réponse est... 16 secondes. Félicitations. C'était très serré entre 12 secondes et 16 secondes, dis donc. La vache. 69 personnes ont répondu 16 secondes, 67 ont répondu 12 secondes. C'était serré. Question numéro 9. Combien de tueurs à licence y a-t-il dans Dead by Daylight? 9, 10, 7 ou 8? Ça peut être chaud ça aussi, hein? Alors, est-ce que vous les avez déjà comptés? Moi, avant de faire le quiz, personnellement, je ne les avais jamais comptés. La réponse est 9. 9 tueurs. Incroyable. On a 68 personnes qui ont répondu 8 tueurs. 7 personnes qui ont répondu 54. 10 personnes qui ont répondu 28. Dans la majorité du coup des réponses, vous avez... vous vous êtes trompé. Que 42 personnes ont répondu 9. On part tout de suite sur la question numéro 10. Et on a fait la moitié du quiz. Hors perk. Combien de charges contient le kit de premier soin? Alors, le kit de premier soin, les amis. 16, 32, 28 ou 24? Et oui, il n'y a pas la couleur autour. Hein, du coup, le kit de premier soin, c'est de quelle couleur? Hein, parce que bah, on a des kits gris, on a le kit jaune, on a le kit vert, on a le kit violet. Hein, sans donner plus de détails. Alors? Et c'était 24 charges. 24 charges, les amis. Vous êtes 106 à avoir répondu 16, 9 à avoir répondu 28, 18 à avoir répondu 32. Question numéro 11. Quel statut n'existe pas? Le statut paniqué? Le statut brisé? Le statut pénalité de sommeil? Ou le statut immobilisé? Je sens qu'il y en a pas mal qui vont se planter sur celui-là. En vrai, ma main a coupé, ça va être un bordel au niveau des réponses, je suis sûr. Je suis sûr qu'à mon avis, ça va être le bordel. On révèle du coup... La réponse est... Paniquer. Paniquer n'existe pas. Le statut brisé, bon voilà, le statut brisé, on sait tous qu'il existe. Le statut immobilisé, qui est arrivé, qui a été intégré, si je dis pas de bêtises, avec... Charlotte et Victor. Oui, quand vous avez Victor qui est sur vous, du coup, vous avez le statut immobilisé. Pénalité de sommeil, qui est un statut qu'on peut avoir lorsqu'on affronte Freddy. Mais c'est un statut dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Ouais. Du coup, vous êtes 72 à avoir répondu pénalité de sommeil, mais je comprends pourquoi. Et en vrai, j'aurais fait cette erreur aussi, je pense. Ouais. J'aurais fait cette erreur, à mon avis. En tout cas, félicitations. Félicitations aux gagnants.
Question numéro 12. Quelle est la portée maximum du harpon du lance-mort? 16 mètres, 20 mètres, 18 mètres ou 15 mètres? Allez, quelques secondes encore pour répondre. Pas évident cette question non plus, hein. C'est pas forcément évident, mais on en a déjà parlé plusieurs fois en live. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et d'ailleurs j'ai failli faire la boulette tout à l'heure quand on a affronté Caleb. J'ai failli faire la boulette et j'ai failli le dire, j'ai fait un mot. Il y a un quiz Varg, tu as quand même pas spoilé les réponses maintenant, hein, directement. Alors, la réponse, les amis, c'est... du coup, 18 mètres. Félicitations, vous êtes en plus grande partie. Vous êtes du coup 94 à avoir répondu correctement, c'est nickel. GG à vous les amis. Allez, direction la question numéro 13. La perque debout appartient à quel survivant? Mec Thomas, Quentin Smith, Adam Francis ou Jeff? C'est cette perque là du coup. Voilà, vous avez l'indice en plus. Un petit soutien visuel en plus, si jamais vous vous rappelez plus à quoi ressemble la perque. C'est pas une perque qu'on voit beaucoup dans le jeu, hein, on va pas se mentir. C'est rare de voir des survivants jouer avec ça. Enfin, personnellement, c'est pas une perque que j'ai vue souvent, hein. Et la réponse, c'est Quentin. Jess dans le chat qui a envoyé pas l'excavation debout, et du coup... debout, perque de Quentin, DLC. Félicitations les amis, 113 à avoir répondu Quentin. GG à vous. GG les amis. Question numéro 14. Hors perk, combien de rayons de terreur possède la chasseuse, la Huntress? 24, 26, 20 ou 32? Ah, question pas forcément simple, hein. Attention, hein. 24, 26, 20 ou 32? C'est le genre de question, en vrai, il y a... honnêtement, hein, il y a 3 mois de ça. Non, il y a 2 mois de ça, avant que je commence à jouer avec la Huntress, c'est le genre de question sur lesquelles je me serais complètement planté personnellement. Mais je pense que là, c'est la question piège et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se planter. Je pense. Voyons voir. Ouais. Il y a énormément de personnes qui se sont plantées. Ouais, énormément. Et je le savais, je m'en doutais. 71 personnes ont répondu 24. Et chose que j'aurais répondu moi aussi. Si. Enfin, c'est quelque chose que j'aurais répondu moi aussi. J'aurais répondu 24 mètres il y a 2 mois de ça. 47 personnes ont répondu 26 mètres. Je suis étonné, mais bon. 49 ont répondu 32 mètres de rayon de terreur et 20 personnes ont répondu 20 mètres de rayon de terreur. La Huntress a bel et bien 20 mètres de rayon de terreur. Et si jamais vous avez un doute, je vous invite à aller du coup voir les tueurs. Et vous arrivez donc sur la Huntress, vous appuyez sur F1 et donc vous pourrez voir son radius. Et oui, elle a 20 mètres de rayon de terreur. Ouais, j'ai été surpris moi aussi quand j'ai vu ça. La petite question piège du coup. Disparition de la Huntress et on passe à la question... numéro 15. Question numéro 15. Quelle add-on de pig? Quelle add-on de la pig oblige tous les survivants à démarrer leur game avec un trap sur la tête? Le minuteur trafiqué? La cassette vidéo? Le secret d'Amanda? Ou le testament? C'est la cassette vidéo! Attends. Oui, c'est la cassette vidéo! Voilà, pardon. J'avais pas appuyé sur le bouton, pardon. Du coup, c'est la cassette vidéo de la piggy! Voilà, qui oblige tous les survivants à démarrer la game avec un trap sur la tête. C'est une add-on que je trouve intéressante en vrai. Plutôt sympathique, c'est un petit peu comme si vous mettiez Intervention Maléfique. En moins fort évidemment. Mais voilà, c'est plutôt sympa en vrai. Et vous êtes nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Félicitations les amis, GG à vous. On part sur la question numéro 16, une question blind taste. Que signifie ce son? Un accrochage? Une déconnexion? Un sabotage? Ou une ouverture de porte? Je vous ai spammé le son, l'histoire que vous l'entendiez bien. Alors... ah, là, quand même, j'espère que tout le monde va trouver. Hein? N'est-ce pas? Alors? Un accrochage! Félicitations! 137 personnes ont trouvé du coup que c'était un accrochage, 39 personnes ont trouvé que c'était une déconnexion, enfin on pense que c'est une déconnexion, 8 pensent que c'est un sabotage et 2 personnes pensent que c'est une ouverture de porte. Question numéro 17. Attention, ça va faire mal aux oreilles. Nous venons d'entendre le cri
de Elodie Rakoto, Michaela Red, Laurie Strode ou Yoon-Jin Lee? Jamais 203. C'est pas évident, hein. En vrai, il faut connaître. Il faut connaître. Alors, pas forcément avoir joué avec le perso en particulier, mais ne serait-ce que jouer tueur. Quand vous jouez tueur, vous voyez plus ou moins tous les survivants. Il y a des survivants qu'on voit un peu moins que d'autres, mais bon, voilà. Alors, la réponse en image, Laurie Strode. Mademoiselle Laurie Strode, du coup. Félicitations, vous êtes super nombreux à avoir trouvé Laurie Strode. 100 personnes ont trouvé que c'était Laurie Strode. GG à vous. Question numéro 18. Pas que je me trompe de bouton, sinon je vais vous révéler la réponse. Fais pas le con, Varg, fais pas le con. Cette musique de menu appartient à quel tueur ? Ghostface ? L'esprit ? L'épidémie ? Ou Lonnie ? Parle doucement que vous entendiez du coup la musique de menu, hein, n'est-ce pas? Je passe en mode ASMR pour ça, du coup. Tac. Pas forcément vite dans cette question non plus. Je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont faire la boulette, à mon avis. Alors? Ouais, beaucoup de personnes ont fait la boulette. Alors, c'était l'esprit, la spirit. 32 personnes ont répondu correctement. 73 personnes pensais que c'était Lonnie, et je comprends. Ouais, c'était la question piège. En vrai, c'est vrai que ça... C'est quand même assez proche, hein. On a donc, effectivement, deux musiques de menu qui sont quand même assez proches, c'est vrai. Petite question piège, du coup. Question numéro 19, les amis. La question drôle. À qui appartient cette douce voix ? À l'épidémie, Victor, Varg en mode ASMR ou à Laurie Strode? Je leur remets un petit coup. Ah bah personnellement, j'aurais mis Varg en mode ASMR, mais bon... Je sais pas si c'est la bonne réponse, hein. Alors, à qui appartenait cette douce voix? À l'épidémie, la vache. Il y a 22 personnes qui ont répondu Varg en mode ASMR. Vous êtes des trolls. Incroyable, sans déconner, 22 personnes ont répondu Varg en mode ASMR. C'est génial. Vous savez qu'il y a 70 personnes ont répondu l'épidémie, 91 personnes ont répondu Victor, les jumeaux, twins. Alors c'est le bruit de l'épidémie quand elle vomit, mais c'est vrai que du coup, enfin je crois, hein, je crois que c'est le bruit de l'épidémie quand elle vomit, enfin, bon, je veux pas savoir. Non, ôtez-moi ces images de la tête, s'il vous plaît. Oh mon dieu, à l'aide. Et 9 personnes ont répondu Laurie Strode, je pense que vous avez... Alors les 9 personnes qui ont répondu Laurie Strode, vous avez une dent contre Laurie Strode, je pense, hein, n'est-ce pas? On passe à la dernière question, les amis. Arrêtons les conneries. La dernière question qui va peut-être, du coup, départager nos grands gagnants. Allons-y tout de suite. Question numéro 20. À qui appartient ce rire? Ce rire appartient aux jumeaux, à la harpie, à la huntress ou à l'épidémie? Ah, c'est pas simple là non plus, hein. C'est pas simple. C'est le rire, du coup, de la Huntress, les amis. De son dernier skin qui est sorti. C'est son rire, hein. C'était une question piège aussi. Petite question piège, du coup. Vous êtes 18 à avoir répondu les jumeaux, 113 à avoir répondu la harpie, 55 à avoir répondu la Huntress, 8 à avoir répondu l'épidémie. Oui, c'est une question piège. C'est le dernier skin, du coup, de la Huntress. Où donc elle fait des bruits différents, complètement différents de la Huntress de base.
J'espère, en tout cas, donc, que ce format vous aura plu. Voilà, on l'a fait en live sur Twitch. Je voulais également donc vous présenter cette petite vidéo pour que vous puissiez faire un petit quiz. N'hésitez pas à mettre donc votre résultat sur 20 dans les commentaires pour partager donc votre résultat. Merci à vous.